c'est une reconnexion à qui je suis et puis vraiment une renaissance. Parce que, en fait, chanter, c'est se purifier de toutes nos vieilles mémoires pour accepter vraiment qui on est et le transmettre aux autres. C'est dire au monde, regardez, voilà qui je suis, je peux chanter. Ce avec quoi j'en ressors maintenant, c'est du chanter vrai. Voilà, c'est se retrouver soi au travers de... se laisser chanter, se retrouver soi au travers de son chant. Je repars avec tout plein d'espoir, de renouveau par rapport à moi-même. Des nouvelles portes s'ouvrent, des nouveaux projets. J'ai pu faire le deuil de certaines blessures et je peux m'ouvrir à de nouvelles perspectives à tout point de vue, au niveau personnel, professionnel. Bah, 4 jours complètement différents les uns des autres, sachant que on arrive, on est quelqu'un et on repart, on est quelqu'un d'autre. Je repars déjà avec mon carillon. Eh bien, j'ai vécu un véritable accouchement dans la lumière, en regardant mes ombres aussi et en traversant ces ombres comme un tunnel, comme une libération. Vibrant comme un instrument de musique. Ce que j'ai ressenti, oh là, tellement de choses, tellement d'émotions, c'était fort, c'était très fort. Il y a à la fois de la tristesse, des émotions fortes qui remontent et puis surtout des libérations en fait. Il y a eu beaucoup, beaucoup de libérations, notamment sur les exercices, sur la respiration, je trouvais avec le ventre, il y a eu beaucoup de libération et puis en fait, quand les gens ils chantent, enfin, ou moi ou n'importe qui, ça résonnait en moi. Et du coup, tout était libération. Ce stage m'a permis de m'autoriser à ressentir profondément la joie que j'ai à entendre ma voix. Là maintenant, je me sens posée et je me sens plus moi-même. Et reconnecter vraiment avec mon âme et le divin qui est en moi. Comment je me sens? Eh bien, je me sens moi-même et c'est bon de se sentir soi-même. On sent tout ça, toute cette énergie, toute cette présence, tout cet amour, toute cette bienveillance, toute cette compassion, toute cette... Ça, c'est un vrai, 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 vrai accompagnement. Je sais que c'est moi, c'était en moi déjà. Mais d'avoir la bonne personne qui nous accompagne dans ce processus, c'est super important. Je témoigne ici de mon bonheur d'avoir fait partie de ce groupe où j'ai appris beaucoup sur moi-même. Je me suis libérée beaucoup de craintes et de doutes et de peurs. Mais surtout, j'ai redécouvert ma voix. Ma voix chantée, la musique, la beauté que cela pouvait procurer en soi, la paix, l'amour et la renaissance, car nous redécouvrir nous-mêmes grâce à la voix, c'est ce que propose Maltida, et vraiment c'est fantastique. C'est une personne qui est très belle et rayonnante. Elle inspire la joie, le positif dans la vie et elle balaye tout grâce à son sourire et sa beauté et sa voix merveilleuse car elle a une voix qui transcende tout. Mathilda, c'est une déesse. Ce que j'aime chez elle, en fait, c'est sa justesse. Et je trouve qu'elle est très juste et elle a une grande beauté. Je trouvais... Je sais pas, avec elle, c'est simple et c'est ça. Et puis voilà, on accueille ce qui est là et on fait au plus juste pour que chacun se sente à sa place. Une voix qui transperce, qui parle
à l'âme, à qui nous sommes réellement, et pas à ce que nous représentons. Oh, il y a plusieurs mots qui me viennent, mais si je dois en choisir un, ce serait la légèreté divine. Elle était à la fois extrêmement douce, bienveillante, pleine d'amour, tout en ayant des qualités techniques d'enseignante, de professeur, de personne qui tient un stage avec l'organisation. Et je trouvais ça très, très fort de réussir à réunir toutes ces qualités-là en une personne. Et le tout avec beaucoup de douceur, de facilité, de légèreté, de fluidité, de souplesse. C'est royal, quoi. C'était royal. Renaissance. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Mon chanteur. Plaisir. N'oublions pas le plaisir, parce que chanter, ça doit être avant tout un plaisir. Merci. Alléluia, je vais dire. Alors, venez. Si vous vous sentez appelé, vraiment, c'est Mathilda.